pour répandre l'amour? Comment nous diffusons l'amour quand sa parfum de valeur se diffusait à nous casser? Est-ce qu'il y a une solution? Bienvenue dans nos 11e leçon que nous parle la découverte, c'est quoi diffuser l'amour. Avant qu'il nous rentre en profondeur, à nous fermer les yeux, nous demande l'aide de l'Esprit-Saint. Papa dans le ciel, nous indigne pour ouvrir aux paroles, mais nous connaît, guidés par ton Saint-Esprit, nous pour comprendre les choses et surtout, nous pour mettre-les en pratique. Reste avec nous pendant ce court moment et merci pour la lumière, en le bon nom de Jésus. Amen. Voilà, juste avant, la semaine dernière, nous étudions comment et qui celle-là une prend naissance et qui ce rôle. Et quand nous lisons, nous pouvons trouver que l'hypona a un rôle très très important, c'est de mourir. De mourir, la souffrance est là, mais c'est un espoir, espoir pour nous. C'est pour ça que l'auteur a choisi pour prendre le titre « Diffuser l'amour ». Le verset à mémoriser, dis-nous bien, si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Dans le verset à mémoriser, il commence par « si ». C'est une condition. Quelque part, nous avons quelque chose à faire. Et ce chose à faire, c'est simple. Mais la question, c'est comment découvrir ce qui est simple quand nous-mêmes nous compliquons les choses? Oui, le peuple Israël, le peuple à ce moment-là, c'était un peuple qui, type Hérode, surtout valorise eux-mêmes et repeuplé. C'est-à-dire, je te période un moment pour être dans le calme, assise tranquille. Parce que, pas oublier, je te passe un moment très très difficile. Tiens, la guerre qui te fait passer. Donc, de ce fait, je te bizarre, rôde ça, la paix intérieure. Donc, c'est une histoire intérieure d'un peuple qui peut souffrir. Alors, le texte tombe bien. Il tombe bien pour dire. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, ce peuple voulait la paix. Ce peuple voulait avoir les bénédictions. Et ce peuple avait déjà les bénédictions. Mais, comment me dire au début de ça, l'émission-là, quand un diffuseur, c'est-à-dire quand nous pouvons un parfum, nous avons trois parties très très importantes. Dans un parfum, nous pouvons trouver l'extérieur. L'extérieur qui nous capable de dire, c'est nous-mêmes, nous bonnes actions. Nous avons le contenu. Donc, le contenu, bien sûr, dans le parfum, c'est le parfum. Mais le contenu, pour nous, c'est l'esprit de Dieu. Et nous avons diffuseur. Diffuseur, c'est la façon qui nous pour transmettre ce qui nous recevons. Le peuple, si lutter, tu peux lutter pour qui je suis capable et non, m'aurait dit la paix intérieure. La paix intérieure, qui bon Dieu pour dire, venez acheter gratuitement. Acheter gratuitement. Est-ce que nous sommes capables de dire c'est un achat? Mais non. Quand nous pouvons acheter et non, une transaction qui fait. La transaction, c'est qu'il me donne de l'argent et me recevoir quelque chose. Acheter. Hébreux 12, le verset 2. Nous venons la Bible pour nous comprendre c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur qui lui envie de dire nous à Zodi? Hébreux 12, le verset 2. Nous commençons un petit peu plus avant pour nous comprendre. Nous avons donc aussi, puisque nous sommes environnés dans une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus. Première chose, le chef et le consommateur de la foi. Deuxième chose, qui est en vue de la joie qui lui est réservée. Pourquoi y en a la joie? Voici la réponse.
Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà ce que le peuple cherchait, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est avec toi, c'est avec moi. Mais comment nous pouvons gagner quand nos actions ne peuvent pas refléter le parfum de l'Esprit Saint? Dieu va nous dire, achetez gratuitement. Hola, vous qui avez soif, venez vers moi, même celui qui n'a pas d'argent. C'est un appel qui, bon Dieu, tu peux dire le peuple. Dieu crie encore aujourd'hui. Quand nous pouvons être notre texte central, qui est le texte Ésaïe 55, si nous continuons jusqu'à 58, nous pouvons trouver que le texte commençait à crier, Dieu crie, Dieu appelle. L'appel est toujours là. L'appel pour acheter gratuitement. Donc, maintenant juste pour venir. C'est pour ça qu'il servit le mot « venir ». C'est un ordre aussi. Nous qui fatigués. Nous comme le peuple, nous pérons de la paix. Nous comme ce peuple. Des aïe qui t'y peut dire, expliquer. Ce peuple qui a besoin de la paix, de la joie, le texte nous a dit, ce même texte s'applique à nous. C'est vrai, nous peinons Esaïe personnellement, mais maintenant le texte qui cause avec nous. Ce Dieu nous donne le pardon. Donc, nous sommes capables de prendre un petit peu l'image de Yom Kippour qui nous déjà connaît. C'est la fête du pardon. C'est la fête qui est très, très, qui est très importante pour les Juifs. C'est sa même fête que je peux venir de tout leur cœur. Sincèrement, je peux venir pour demander pardon. Vous êtes capables de continuer ce cheminement. C'est la fête que le pardon est reçu gratuitement. Donc, c'est qui a donné le pardon? À cette époque, bien sûr, nous connaissons qui le sacrificateur pour sacrifier les animaux, pour prendre le sang, pour mettre le rideau qui est là. À ce moment-là, le grand prêtre pour rentrer dans la chambre très saint, pour faire la prière, nous désaccordons saban l'aspect là. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons gagner le pardon? Dieu est de nous. Dieu est de nous. Il est de nous encore une fois. Hébreux 12, verset 2, l'Indienne. C'est la joie du Seigneur. L'évangile pour dire, quand Jésus pour prendre naissance, les évangélistes pour mettre l'emphase, c'est la grâce du Seigneur. C'est la joie. Le texte nous dit bien. Le pardon, c'est un cadre d'alliance restauré avec le peuple. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut qu'il nous mène une relation étroite avec lui. Qu'il nous décisions. Bien sûr, les pensées de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Comment comprendre les pensées de Dieu? Ça paraît difficile. Dieu nous dit aussi que ce n'est pas notre souci. Nous ne nous pour venir comment nous étions. Quand ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas la grâce et l'amour bon Dieu. Dans 1 Pierre 1, le verset 18 et 19, nous trouvons ça. C'est l'amour bon Dieu qui sauve nous. Alors qu'il nous peut continuer étudier les paroles d'Ésaïe, le verset 6 à 13, nous pour comprendre une chose, que bon Dieu peut dire stop. Pourquoi stop? Parce que nous pape comprend, nous pape donne bon Dieu sa juste valeur. La suprématie de Dieu, souvent nous t'en dire, et nous-mêmes nous déjà dire, aïe, bon Dieu pas en colère, aïe, mon pas capable de faire ça parce que mon pas bon Dieu moi. Mais jamais bon Dieu n'y a nous vini comme on lit. L'y a nous vini. C'est ce qui nous bise à faire. Vini, c'est Dieu qui élève nous. Ce n'est pas nous qui élève nous-mêmes. Alors comment comprendre les desseins de Dieu? Comment pour comprendre, comment pour marcher dans un pas qui nous pas comprend?
Nous sommes capables de prendre un exemple, un professeur à l'école. L'état qui le sujet pas sûr et certain dans sa tête qu'il comprend lui-même. Il est impossible d'y délivrer le message. Donc, c'est à nous de rechercher. Le peuple, il recherchait autour d'eux-mêmes. Mais malheureusement, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel qui est leur Dieu. Et l'essentiel qui nous connaît, nous, aujourd'hui, en 2021, nous connaît déjà. C'est Jésus lui-même. Les pensées de Dieu étaient déjà établies. C'est qu'il vienne restaurer le peuple qui peut souffrir, pardon. Ce peuple, aujourd'hui, toi et moi, qui en a beaucoup à dire. Ce peuple qui peut faire des choses, mais pas peut trop connaître que de parler. Et là, quand nous guettons le texte, dans Zacharie 7, le verset 5, Zacharie 7, le verset 5, la parole de l'Éternel fut adressée. Dites à tout le peuple du pays, au sacrificateur, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Wow! Nous jeûnons tant d'années, nous faisons des sacrifices tant d'années. Ce peuple, si capable, pense pareil, comment faire? Et voilà, ce jeûne, Dieu ne prend pas plaisir. Ce jeûne qui nous aussi nous fait, nous connaît, nous avons plusieurs sessions jeûne et prière. Mais comment nous péjeûner? Les amis du vrai jeûne, donc pas oublier, nous avons la fête du pardon. Et là, nous pécause le jeûne. Le jeûne est un petit peu. Nous capables de dire que nous rentrons aussi dans le Yom Kippour. C'est un, si nous capables de dire, un nouveau format. Parce que Jésus a aboli. Il accomplit, pour ne pas dire abolir, il accomplit les rituels cérémoniels. Et aujourd'hui, ce que l'Éternel peut dire à nous, et quand nous gênons, il n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que nous faisons sans va l'heure. Nous revenons avec l'image du parfum. Nous, en tant qu'enfants bondiers, comment nous gêner? Et un gros problème, quand ce peuple, dans Ésaïe 58, 1 à 12, l'ipoudien-nous bien, ce peuple, on pas prend plaisir ce qu'ils ont de faire. Mais quel est le vrai jeûne? Qu'est-ce qui, comment nous pouvons prendre le jeûne? Comment nous capables d'expliquer ce jeûne? Le jeûne, c'est abstenir de quelque chose. Pour aller un petit peu plus, c'est abstenir de quelque chose qui me prend plaisir. Est-ce que nous sommes capables de retirer ça? Ce jeûne, Dieu il dit, ne pas prendre plaisir. Parce qu'au lieu qu'ils aient aide ben opprimés, au lieu de suivre ben l'homme, au lieu de donner repas aux autres, qu'est-ce qui se passe? The God to visit. Au lieu de propager la paix et la joie du Seigneur, the God to visit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà le jeûne que Dieu prend plaisir. Le jeûne que Dieu prend plaisir, c'est aussi retenir ton pied. Retenir ton pied veut dire quoi? Te connaît la réponse. Oui, retenir ton pied, c'est tout simplement dire quelque chose qui me plaît, mon pour mettre-lui de côté. Je vais faire la volonté du Seigneur. Dans Jean 7, le verset 37, qui nous désaconne sa texte là. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Oui, on est fatigués. Nous pouvons vivre dans le monde que tout va vite, nous fatigués. Mon Dieu, pédia nous vini. Parce qu'il y a envie de rétablir encore une fois mon rédiali, rétablir ce lien. Mon Dieu, envie qui nous gagne le parfum, nous rétablir le diffuseur qui est nous-mêmes, qui est cassé. Il y a envie de mettre un pont
diffuser afin que ce parfum cavale partout. Oui, ce parfum de bonne odeur, ce parfum de valeur qui tuena, qui mo ena. Ah, c'est pas quelque chose de bien? C'est que c'est un espoir, c'est un réconfort qui nous connaît que ce parfum, Dieu nous le donne encore aujourd'hui. C'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour pour son service désintéressé. Oui, la petite histoire qui nous trouvait au début de ce texte, c'est un amour désintéressé. Même si l'autre nous fait faire nous du mal, même si l'autre dérabaisse nous, mais toujours, bien sûr, apporte l'amour. C'est quelque chose qui, Ésaïe 55 à 58, peut dire à nous. Même si les autres te font mal, il y a ton Dieu qui te fait du bien. Un temps pour nous, c'est un temps. Un temps, est-ce que c'est réellement pour nous? Quand nous causons un temps pour nous, nous pensons un petit peu le sabbat, n'est-ce pas? C'est le repos. Et oui, le repos qui nous tout attend. Ce repos où nous stop et nous faire ce que Dieu demande nous de faire. Mais est-ce que nous faire ce que Dieu nous demande de faire? Telle est la question. Qui nous capable de débattre ensemble après ou quand je gagne les temps? Parce que c'est quelque chose qui nous bizarre. Surtout vivre un temps pour nous. Le nous, c'est tout simplement, on peut dire, Dieu et moi. Le moi, ça peut être toi. Le moi, ça peut être mon voisin. Le moi, ça peut être moi qui l'a. Donc, c'est un temps pour Dieu et moi. Dieu plus moi, ça me fait nous. Donc, Dieu nous dit aujourd'hui, c'est un jeûne. Quand tu peux retenir tout. Ah, quand tu dis non, je ne peux pas travailler aujourd'hui, non, mon papa travaille aujourd'hui, non, mon papa prend leçon aujourd'hui, tu retiens ton pied. Et surtout, c'est ça, le jeûne que bon Dieu envie. Et surtout, malheureusement, quand nous disons non d'un côté, nous venons ici assiser. L'Éternel a envie qu'il nous assise. Il a envie qu'il nous diffuse l'amour. Donc, l'amour, il paraît stagnant. L'amour l'est évaporé. C'est un parfum. Dieu nous demande aujourd'hui de faire quelque chose, de se concentrer sur lui. Première chose, concentrer sur lui. L'étude de la Bible et la prière. Nous capables de faire des louanges, nous capables de rendre des services aux autres, mais se concentrer sur Dieu. Et le sabbat, c'est un beau jour pour faire le bien. N'oubliez pas. Deuxièmement, Dieu veut qu'on reconnaisse que nous dépendons de lui. Nous, nous capables d'être un zéro. Mais avec bon Dieu, nous venons un héros. Le sabbat doit être le jour où nous représente le héros en nous. Tout le temps, quand nous faisons la prière, nous demandons l'Esprit Saint. Est-ce qu'il nous demande l'Esprit Saint pour nous élever? On nous demande l'Esprit Saint pour valoriser celui qui a tout donné sur la croix. Ésaïe nous dit bien à travers les titres, il y a un problème. Est-ce que ce problème existe aujourd'hui? Ésaïe nous dit bien, stop, Dieu ne veut pas ce genre de jeûne. Est-ce que nous aussi, nous pratiquons des choses que Dieu ne veut pas? Et Ésaïe nous dit aussi, Dieu veut rétablir l'amour. L'amour qui est toujours présent. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Nous peinons grandes choses à faire, nous n'en disons pour venir et surtout se concentrer sur Dieu. Dieu va tout faire. Cherchez d'abord le royaume et toutes choses. À nous recherche-les. À nous recherche l'amour vrai. À nous respecter le sabbat, à nous faire que ce sabbat soit un jeûne, que nous-mêmes nous ressentions l'amour de Dieu et que bon Dieu trouve plaisir dans ce jeûne. Voilà, Isaïe, dis-nous tout. Si j'ai envie qu'on puisse, moi pour dire, je relis le texte, Isaïe 55 à 58,
Surtout, le texte nous dit bien, l'Éternel nous dit, si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera dans le midi. L'appel est lancé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as la solution. Et surtout, la solution se trouve en notre Dieu. Notre Dieu qui a un plan, qui peut revenir à nous accueillir avec joie, à nous propage l'amour et nous prépare le peuple pour son avènement. Ésaïe 58, pas fini là. Ésaïe toujours il a des choses à dire. Donc, me donnez un rendez-vous la semaine prochaine pour un titre très important, l'objet du désir de toutes les nations. Et à ce moment-là, nous pourrons comprendre un petit peu plus sur Dieu.